Salle CIS, le temps des artistes. La voie ouverte par Blue sera largement suivie par nombre de ses confrères. Découvrons James Bouillet suivi du groupe par Sesbreur, représenté ici par René-Yves Creston, Georges Robin, René Michaud Vernèse, Pierre Abadie Landel et Jules-Charles Bozec. Viennent ensuite les sculpteurs, statuaires tels Louis-Henri Nicot, Francis Renaud et Armel Beaufils. Deux groupes de vitrines sont enfin consacrés au ténor des deux manufactures, René Kiewic pour la grande maison HB et Mathurin Méheux pour Henri Houle. Ce sont deux véritables chefs de file occupant des positions de conseiller artistique au sein des faïenceries. L'exposition coloniale. Anna Quinco avec sa femme du Fouta Jalon nous apporte un beau témoignage du rayonnement de la faïence de Quimper à l'exposition coloniale. Cette sculpture figurait en couverture du magazine L'Illustration inaugurant la dite exposition. Puis vient Émile Adolphe Monnier avec sa Congolaise, évocation de la croisière noire. Enfin François Bazin, puissant sculpteur, clôture cette rétrospective.